La Budanaise revisitée par un homme de Dieu. Un livre qui prône des valeurs morales et sociales de l'hymne national de Côte d'Ivoire. L'auteur, le révérend Jean Moquet, entend à travers cette œuvre contribuer à la construction d'une Côte d'Ivoire forte basée sur des valeurs morales, sociales et spirituelles. Quelles que soient les soubresauts en Côte d'Ivoire, à cause des paroles qu'on a prises pour consacrer ce pays, pour bâtir ce pays, et ce pays sera comme un roseau. Il peut se plier jusqu'en bas, mais il va se redresser. Monseigneur Pierre-Marie Coty, co-auteur de la Budanaise, exprime sa satisfaction après lecture de l'ouvrage. En tant que prêtre de Jésus-Christ, bon, je dis merci à Dieu parce que tout vient de lui. Ce type retrace vraiment l'histoire de la Côte d'Ivoire et promet aussi l'avenir de la Côte d'Ivoire. Composé il y a maintenant 54 ans, c'est tout un passé qui est retracé. Le ministère de l'Éducation nationale saisit l'occasion pour exhorter les enseignants et élèves à se procurer l'œuvre. Ce livre sera pour nous un soutien important pour permettre aux élèves de Côte d'Ivoire, pour permettre aux enseignants de Côte d'Ivoire pour de connaître le vrai sens de l'hymne national et de le pratiquer, de l'appliquer dans leur vie. Cette œuvre de 36 pages va permettre à chaque citoyen de mieux percevoir le sens de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Rappelons que la Budanaise existe depuis 1960.